En pleine pandémie de Covid-19, le Pérou célèbre ses 199 ans en tant que nation indépendante. Septième du classement des cas de coronavirus dans le monde, le Pérou a été l'une des nations les plus touchées d'Amérique latine, juste après le Brésil et le Mexique. Mais le président a indiqué que sans un confinement précoce, le bilan aurait pu être pire. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude et conviction, la quarantaine a sauvé de nombreuses vies au Pérou. Si nous n'avions pas approuvé cette mesure, croyez-moi, le nombre de victimes se compterait en centaines de milliers. Il a déclaré que la pandémie avait mis en lumière des décennies de sous-investissement en matière de santé, mais que son gouvernement avait multiplié par 6 le nombre de lits d'hôpitaux et installé des dizaines de nouveaux hôpitaux. Dans son dernier discours pour la journée de l'indépendance en tant que chef de l'État péruvien, Vizcarra a indiqué que la santé publique universelle serait la priorité de son gouvernement. En pleine pandémie, Vizcarra a annoncé des réformes d'ampleur pour aider un service de soins débordé au Pérou. Il a ajouté que tous les Péruviens seraient inscrits au système de sécurité sociale, qu'ils aient ou non une assurance santé. Vizcarra a déclaré que près de 6 milliards de dollars seront consacrés à la santé publique en vue d'améliorer un service laissé à l'abandon durant des années. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de corriger cette erreur historique et de résoudre la dette que l'État a avec le secteur de la santé. Nous devons le faire pour nos enfants, ceux qui ont besoin de protection pour grandir dans les meilleures conditions. Nous devons le faire pour nos seniors et les plus vulnérables. Nous devons le faire pour tous les Péruviens. La pandémie a mis au chômage des millions de Péruviens et Vizcarra a annoncé un nouveau versement d'argent d'environ 200 dollars pour 8,5 millions de foyers pauvres. À juste une année du bicentenaire du Pérou en tant qu'État indépendant, les célébrations ont connu une mutation. La pandémie mondiale a contraint les Péruviens à regarder combien leur pays encore jeune doit faire de progrès.